Alors, il m'impose de manger du porc, comme vous le savez, dans mon village, hein, ça devient très très dur à gérer. Alors, ça fait une petite polémique, hein, sur ma chaîne, comme quoi je ferais l'apologie du cochon, genre de truc. Je me fais harceler dans mon village. Et Michel, vous allez me dire bonjour, en plus. C'est insupportable, insupportable, hypocrite. Je sais très bien ce que t'essaies de dire. Et de rentrer dans ton pays, bon, j'ai bien compris. Voilà, bon, je me fais harceler maintenant sur TikTok, en plus. Ouais, tu fais la promotion des Français en France. Quelle honte, quel scandale. Ah oui, j'ai honte. T'imagines, en plus, je sais pas, je ferais ça en Finlande ou en Norvège, mais je fais ça en France, en plus, donc je suis vraiment dans la provoque, moi, tu vois. Et là, en plus, j'ai des huissiers au cul, maintenant. Alors ça, c'est incroyable. Ils arrêtent pas, ils m'appellent tous les jours, hein, tu sais. Et vous devez de l'argent, machin, oh, ça suffit. Donc là, maintenant, ça fait 3 mois qu'ils me disent qu'ils vont passer à la maison. Bon, bah, je leur ai dit, faites attention, il y a un Malinois. Mais, pour pas qu'il y ait de problème avec le Malinois, j'ai bricolé une petite sonnette. Alors, parce que des fois, tu sais, je suis pas là, donc, tu tires la queue, ils pendront des œufs, tu vois. Voilà, donc messieurs les huissiers, si jamais... une belle araignée, dis donc. Faut pas craindre la campagne, hein. Si jamais vous arrivez à la maison et que vous voyez que je ne réponds pas tout de suite, je vous ai bricolé une petite sonnette. Hein. Tirez-leur là que ils prendront des œufs. Ça, c'est... À la toute.